Salut les amis, c'est Judy Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du 100 bébé challenge. Et vous sentez, je suis revigorée, je suis une femme heureuse, je suis une femme comblée. J'ai ajouté de nouveaux papas dans l'esprit précédent, je sais pas si vous avez regardé, mais en tout cas regardez-le si vous l'avez pas vu avant celui-ci, c'est toujours mieux. Et dans les nouveaux papas, il y en a un, il a particulièrement bien géré, et ça fait grave zizir, et les petits, il est temps d'aller à l'école, il faut aller à l'école s'il vous plaît. Non. Tu pourras aller à l'école s'il vous plaît. Mais oui, non, mais tu vas à l'école. Oh, mais le mec, je vous jure. Bon, nous, en tout cas, ici, donc, on est en mode... on va essayer vraiment d'avoir d'autres papas. Ce qu'on va faire, on va tout de suite... on va tout de suite inviter l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire. On va juste, attendez, ouvrir. Prendre une portion. On va vite manger un bout. C'est vraiment que ça serait une fille cette fois-ci. Parce que franchement, j'aimerais quand même bien pouvoir avoir ma descendance pour continuer le challenge. Avoir que des mecs, ça serait vraiment mal foutu. Il y en a qui m'ont donné des conseils au niveau de l'alimentation. Je sais absolument pas. Je m'y connais absolument pas. En vrai, je sais que ça peut avoir un impact si vous y prenez, mais des mois à l'avance. C'est vrai qu'en vrai, si je devais avoir un enfant, j'aurais préféré avoir une fille. Mais de toute façon, si un jour je tombe enceinte, déjà, ce serait, je serais super contente. Mais peu importe le sexe, ouais, ça sera bien. Bon. On va enlever la nourriture gâtée. Voilà. Et on va inviter... Voilà. Lumbamangek, Uniturb et Jamis. Ah, pourquoi j'ai fait se plaindre des problèmes? Faut pas se plaindre des problèmes, les hommes n'aiment pas les femmes qui se plaignent. Allez, assieds-toi. Oula, j'ai mis une drôle de voix, Zazu. J'ai mis une drôle de voix, gars. Désolé. Donc, je tiens à préciser que ceux que vous avez vus dans la truc de création sont un tout petit peu différents. Ceux-là, c'est la version que j'ai pas remodifiée. Parce que comme vous savez, j'ai plusieurs parties. Donc, je vous expliquerai dans un instant Dreams. Peut-être que vous l'aurez vu avant. À mon avis, vous l'aurez sûrement vu avant. Comment créer Psybris, parce que c'est une question qui revient souvent. On va vraiment se faire bien pote avec. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Flirter avec quelqu'un? Acheter un jouet. Tu veux acheter un jouet? Qu'est-ce qu'il y a? Nausée matinale, bon, ça va aller mieux. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Ah super. On va vraiment essayer d'être bien. Oh, Prita. Quasinex. Flatter, ouais, allez, on va le flatter. Elle est quand même bienveillante. Je crois que j'avais mis bienveillante dans les traits, je peux tout faire. J'ai mis bienveillante, donc c'est quelqu'un qui est quand même réellement gentil. Limite, je comprends même pas comment est-ce qu'elle peut se faire... Enfin, voilà, j'ai compris quoi. Comment est-ce qu'elle peut être comme ça? Oh, Prita! Skooma! Wasinex! Thelma! Una narka naps! Awavine! Floopy! Souflo Bopis Wogra! Chilny! Gelbador! Dampsagarby! Maintenant, j'ai peur limite d'aller trop vite! Et donc, je prends mon temps! Je prends vraiment mon temps! Radish! Tepsoturib! Prêt sûr que ça fonctionne parce que quand je vois comment ça s'est passé. Voilà quoi. Doba Harfin. Wutuni, Sepsito.
Ils sont quoi? Ils sont amis. Ok, nickel. Je vais commencer tout doucement. Ah oui, son attirant. Je vais commencer petit à petit. Non? Plus Klatoy. Orsha Wiza? Ingo! Ça a fonctionné. Das Espinel. Oh non! Bon, on va continuer. Tu n'as rien entendu, Asna. Tu n'as rien entendu. Non. Lucie n'est absolument pas attirée par toi. Je parlais de la reproduction des pandas. Tu n'as pas compris. Tu as mal compris. Voilà. On va continuer avec le truc amical. On va continuer, non, on va être bien, hein. Gorba. Yumba. Voilà, on continue. On peut donner des... Bon, attendez, je vais tester un bonbon, voir si ça fonctionne. Parce que je dirais que j'ai pas vu cette interaction, donc là, je vais la découvrir avec vous. Tu veux un bonbon? De devenir bons amis. J'ai deux... Oh, génial. Et les gars, on peut déjà faire grandir deux petits. Je peux déjà en faire grandir deux. Là, je suis trop contente. Là, je suis super contente parce que dès qu'ils sont ados, ils vont pouvoir avoir un taf. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce que t'as? Mangeur parapluie. Non, peut-être pas. Ouvrir. Ouais, vas-y, mange un sandwich. Je prends une portion. Voilà. Il y en a qui me disent que je devrais la laisser faire, que je pourrais devenir folle à devoir gérer tous ces Sims, mais... Oui, non, j'aime pas du tout laisser les Sims faire tout ce qu'ils veulent. C'est caca, faire la connaissance de Asna. Mais tu le connais déjà, t'es con ou quoi? Je connais déjà tes teubés. Bon. Ouvrez. Enculé. Il n'y a plus. Voilà, ça c'est bien. Hop, tu vas aller ici et tu vas... Oh, il sort les poubelles? Non? Ah, il se plaint parce qu'elles sont pas sorties, c'est ça? Bah écoute, je suis désolée, j'ai pas d'homme chez moi, donc je sors pas les poubelles. C'est aux hommes de le faire, non? C'est horrible ce que j'ai dit, excusez-moi. C'est pour rigoler, hein, je vous taquine, hein, les gars. Mon chou, tu vas... allez, vas-y. Je vais la poupée avec... non, tu vas pas jouer la poupée avec quelqu'un. Tu vas ouvrir, tu vas... tu joues avec ça. Et quand on aura notre prochain papa, enfin quand lui sera entre guillemets séduit... Prof Hampei, who's like Jeff now? Veruda Kampol, Lumbic Jarl, Pilarga Zakuni, Sensen Gorge, Fenib Nitva. Je vais réessayer un coup. Nibs, Alcha, Bouchard, technique de dragon, je vais réessayer un coup. Gelna Dizzy, Unrum Leray. Oh, ça fonctionne! Aberine. Ça fonctionne.
très enjôleur. Oh purée. Ah, c'est super. Mais pourquoi la truc grimpe pas? Devant les gosses. La meuf, elle parle de cul devant ses gosses, quoi. Ah, mais ça le fait trop. Oh, c'est génial. Ah, oh, c'est génial. C'est génial. Bon, on va continuer. Commenter apparence. Plus de chien. Ouais, on continue, là, les gars, maintenant. Là, je suis lancée. Hein. Si on peut déjà avoir le prochain papa pour vous avez compris quoi, si on peut déjà avoir le prochain papa, ouais, moi je suis contente, moi. Peut-être pas devenir meilleure amie de Zo, tu dois 2 secondes, mais moi je veux juste que tu me fasses un gosse, hein, enfin papa. Si le vrai As regarde cette vidéo qui va entendre dire que je veux juste que tu fasses un gosse, mais c'est tellement tordu. Enfin, c'est pas tordu, mais. Oh là là. Oh. Mais je lui tweeterai quand même. Bon. Oh ben voilà, il suffisait juste de lui promettre une gâterie pour qu'il sorte les poubelles. Je vais me faire tuer, moi je sens que je vais me faire incendier. Oh là là. Je vous jure, j'ai la limite de pleurer de rire. Oh là là, cette merde. Allez, j'ai des envies de femmes enceintes, tiens. Avec les gosses qui jouent à côté, c'est génial. Bon. Oh là là les amis, misère, je vous jure. Je vous jure. Oh. Allez vas-y, fais tes devoirs toi. Et toi, allez, sois pas à la traîne, fais tes devoirs aussi. Ils font quoi là les deux là? Ils font un sudoku ou quoi? Non, j'ai pas envie d'être le petit ami, je veux juste... Enfin, voilà quoi. Voilà, bah oui, non. Ah bah voilà, ça c'est bien. Mon fils soit utile. Oh purée non. Oh purée non, il m'a bousillé le lave-vaisselle, mais les gosses. D'accord, le mec il fonctionne comme ça, d'accord. Le mec il m'amène devant le pieu, puis après go away, quoi. Ok, d'accord, c'est pas grave, ça me va. Oh, c'est pas grave, de toute façon, là il est venu. On va un petit peu papoter avec lui. Non, ça sera nickel, moi je vous dis c'est nickel. Je vous dis c'est nickel. Elle, comment est-ce qu'elle... Est-ce que je peux risquer... Ouais, je vais réparer. Elle a quelques points en réparation, donc j'ose espérer... Non, ça c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. On va juste nettoyer d'abord le truc, parce que là... L'électricité plus la flotte, je peux dire au revoir à mon challenge si elle meurt, quoi. La mort signe la fin du challenge. Je mets de l'eau recoule. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux, petit? Qu'est-ce que tu as? Dormir. Dormir. Dormir, voilà, allez, tout le monde au lit, c'est parfait. Ouvrir, on n'a rien. Allez, prendre une portion.
Éteindre, voilà. Nettoyer, voilà. Et elle va nous cuisiner en vitesse un truc. Elle va nous cuisiner... bah des... toast avec des œufs, moi je vous dis. Repas de groupe, comme ça ils ont directement pour demain matin. Et ils seront bien les petits. Voilà, comme ça ils vont bien manger. Pourquoi j'ai laissé ça là? Hop, jeter. Utiliser, prendre une douche et au lit. Bon, donc les prochains, donc ben, à mon avis, oui, à mon avis la nuit va passer. Ouais. Au dodo, ah c'est nickel. Ça les amis, ça je suis super contente. Franchement, voir ce truc qui avance, ça me fait mes graves plaisirs. Parce que dès qu'il a un A, on pourra sortir le petit qui aura un A. Ah mince! Prendre une douche, allez hop! Tu vas être gentil, tu vas me faire... Ah non, tu peux pas nettoyer toi, c'est moi qui dois me taper tout. C'est pas grave, quand tu seras ado, tu pourras le faire. Ok, ouvrir, tu vas manger, hop, prendre une portion, voilà. Ouais. Prendre une douche. Non, toilette, prendre une douche. Toi, ouvrir. Tu vas vite. On va optimiser le temps en fait qu'on a. Lui, il va regarder la chaîne pour enfants. Voilà. Puis lui, il va ouvrir et il va se bouffer un truc. Voilà. Et hop, prendre une douche. Voilà, ça c'est nickel. Oh, mais il m'a pété le WC. Oh, mais non, mais Jérôme. Oh, mais non. Oh, sale gosse. Oh, mais le gosse. Oh, mais je vous jure. Mais ce gosse. Mais quel impotent. Oh Jérôme. Allez. Pff, genre j'ai passé ma vie à ça quoi. J'ai autre chose à foutre que ça. Que de réparer vos conneries les gars. Oh mais purée quoi. Bon allez on y va. Pff, on va remplacer, remplacer. On va essuyer. Voilà on y va. Utiliser. Prendre une douche tonifiante, ça va me faire du bien. Voilà, hop. Hop, ouvrir. Prendre une portion, c'est nickel. Et à mon avis, on va faire... Ah non, attendez. Hop, nettoyer. Puis après... Prendre une portion... Hop, nettoyer tout le bordel. Oh, ces gosses qui nous foutent un bordel. Pas possible. Voilà, et alors après on va cuisiner. Oula, non, on a plus un rond. Non, je vais vite faire un tableau pour me faire du fric. Oh, j'ai même plus assez pour me faire un tableau. Bon bah les gars, je vais vendre le truc. Je vais vendre les viandes, j'espère avoir assez. J'ai pas le choix. Oh purée. Oh ça craint. Ça craint tellement les amis. Ouf. Toi
toile classique, grande toile classique. Allez, fais-nous un truc, mais un truc super beau. Hein. Tu nous fais un chef-d'œuvre. Hein. Je veux voir des. J'en ai bien dessous, hein, Lucie. Sans déconner. Bon, les amis, on saura dans le premier épisode si Lucie nous aura fait un chef-d'œuvre ou pas. Notre Lucie qui est grosse comme une montgolfière, prête à exploser. On va savoir si elle aura fait un chef-d'œuvre. Voilà. Donc voilà. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je vous envoie des tonnes de bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye.